Yo, c'est Cyrus. Alors, je sais pas trop si je dois vous en parler, mais si vous rentrez en seconde ou en première à la rentrée 2019, j'ai l'impression qu'il va se passer des trucs. Des petits changements du genre un nouveau bac, des spécialités à choisir, des nouvelles épreuves, ce genre de petits détails quoi. C'est l'occasion de vous donner des petits conseils en plus, histoire que vous soyez plus confiant, et pour ça, on a fait appel à Atier. Balance la sauce. Comme vous le savez, il y a une réforme. Et vous savez ce que ça veut dire ? Réforme, non féminin, hein, changement qu'on apporte à quelque chose afin d'en obtenir de meilleurs résultats. Réforme. Alors, ok, merci. Ce que ça veut dire, c'est que vous aurez de nouveaux programmes. Mais pas seulement. Et oui, en filière générale, les séries S, ES, L des grandes sœurs et des grands frères, c'est fini. À partir de maintenant, vous aurez un tronc commun et trois enseignements de spécialité. Enfin, trois en première et deux seulement en terminale, car vous en lâcherez une entre-temps. Et ces trois spécialités, vous les choisissez en seconde. Les programmes changent aussi et de nouvelles matières font leur apparition. Par exemple, les SES, sciences économiques et sociales, deviennent obligatoires en seconde. Ça, c'est nouveau. À partir de maintenant, il y a trois séries d'épreuves communes sur les matières du tronc commun et sur la spécialité que vous abandonnerez en terminale. Deux séries d'épreuves en première et une série en terminale. Et tout ça, ça compte pour 30% de la note finale. Mais il y a aussi les épreuves finales qui comptent pour 60% de la note finale. Ce serait pas drôle sinon. Le français à la fin de la première, les deux spécialités au retour de vacances de printemps en terminale. La philo et le grand oral en fin de terminale. Après, il faut rajouter votre moyenne générale de première et de terminale qui compte pour 10% de la note, et ça fait 100. En fait, l'option maths, c'est juste pour comprendre comment marche le bac. C'est ça? Bon, vous avez compris, maintenant c'est le bac en permanence. Donc tout réviser au mois de mai, ça risque de ne pas marcher. Mais alors comment on fait pour réussir son année? Voilà les conseils que vous donne Atier, et vous pouvez les croire. Ils ont un petit peu d'expérience sur le sujet quand même. Premier conseil, réviser au fur et à mesure. Alors, je sais, c'est un conseil qu'on vous répète tout le temps, mais en vrai, on n'a pas trouvé mieux depuis. Et je vous assure qu'il y a du monde qui a cherché. Pour réviser ce qu'il faut, quand il faut, il y a les prépa bac. Alors, ils existent dans quasiment toutes les matières, même les nouvelles comme numériques et sciences informatiques. Et il existe aussi des prépa bac pour les filières techno aux éditions Fouché. Dedans, on y trouve des cours rédigés, des conseils de méthode, des centaines d'exercices corrigés, sujets guidés, cartes mentales, salade tomate-oignon, sauce blanche, bref. La totale. Oh non, salade tomate-oignon, vraiment? Il y a aussi les prépa bac réussir l'examen. Ce bouquin, c'est carrément votre coach de révision. Au début de chaque chapitre, il y a un test pour évaluer son niveau. Et en fonction de tes résultats, le livre te propose un parcours de révision adapté, soit pas à pas, soit express. Et enfin, pour ceux et celles qui pensent être à l'aise avec les cours, je vous conseille 100% exo. C'est le top pour s'entraîner efficacement avec des exercices progressifs et minutés et avoir un dossier béton. Deuxième conseil, gagner en efficacité pour la dernière ligne droite. Quand les examens approchent, il y a deux types de réactions possibles. La panique. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Ou la stratégie. Le truc qui fonctionne bien, c'est les fishbacks, parce qu'elles permettent de vérifier que tu as bien intégré les notions clés et aussi d'entraîner ton cerveau à mobiliser les connaissances grâce aux quiz, cartes mentales et flashcards. Troisième conseil, se mettre dans les conditions de l'examen. Alors, faites pas ça tous les jours, hein. Ça deviendrait complètement invivable, on est d'accord. Non, le truc c'est de le faire au moins une fois pour gagner des automatismes. Ah bah c'est comme s'entraîner à danser devant sa glace en fait. Exactement. Comme ça, aux premières notes de Despacito, t'as direct les appuis qui vont bien. Despacito. Non, faites pas ça, non. Pour le déhancher, vous faites ce que vous voulez. Mais pour le bac, et se mettre dans les conditions de l'épreuve, mieux vaut miser sur les anabacs. Si tout ça c'est encore un peu abstrait pour vous, c'est que soit vous êtes un reptilien en fait et que vous n'avez pas besoin du bac puisque vous dominez la Terre déjà, soit vous avez besoin d'un exemple. Mais est-ce que les reptiliens pourraient faire lézard LV1 ? Prenons l'épreuve de français par exemple. Vous vous souvenez que vous avez une épreuve de français en fin de première. Ok tout le monde ? Oui. La nouveauté, c'est qu'il y a des parcours au programme avec des œuvres que votre prof aura choisies à partir d'une liste officielle et que vous étudierez pendant l'année. Et justement, les épreuves seront en lien avec ces parcours, à travers un commentaire de texte ou une disserte pour les premières générales, ou pour les séries techno, un commentaire ou une contraction suivie d'un essai, puis à l'oral à travers une explication de texte et une discussion avec l'examinateur autour d'un dossier que vous aurez préparé pendant l'année. Alors, j'ai préparé un petit dossier. Du coup, les œuvres, faut déjà les lire. Et pour ça, vous pouvez compter sur les classiques et compagnie. Vous y trouverez des notes de bas de page qui vous facilitent la lecture, des aides pour vous préparer des épreuves écrites et orales, et toutes les choses importantes à savoir pour le bac. Genre le contexte de l'œuvre, les thématiques abordées, etc., etc. Et en fait, ça peut même aider les profs à faire leurs cours, vu qu'ils y trouveront un corpus de textes correspondant au parcours d'histoire littéraire, ainsi que des prolongements artistiques et culturels. Y a des profs qui nous regardent, là? Vraiment?
En complément, les profils BAC vous aideront aussi beaucoup en français car il y a tout pour maîtriser les œuvres, le résumé, les problématiques analysées et j'en passe. Bon, je dis pas qu'on n'est pas bien là, mais on ne peut pas non plus tout dire en vidéo. Alors si vous voulez en savoir plus ou faire le plein de conseils, vous allez sur anabac.com. Moi je vous dis bon courage pour vos révisions, on lâche rien.